c'est Kendar, bienvenue sur la chaîne et on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du carton Pattaya de la Skyline de Brian O'Connor. Donc on va tout de suite voir les nouvelles pièces à monter et comme ça la construction va pouvoir reprendre. J'avais quand même hâte de recevoir les premières pièces, surtout j'ai vraiment aucune idée de ce qu'il y a parce que j'ai pas été voir les pièces qu'il y avait disponible sur le site. Je me suis dit je vais attendre un peu la surprise, voir ce qui nous attend. Déjà ça c'est rien, c'est le récapitulatif de la commande. Alors ils sont toujours emballés sur le même principe hein, avec un support en plastique. C'est pas les feuillets comme on a l'habitude. Alors là, on a des pièces vraiment vachement sympas, je trouve. On a le volant avec avec le petit moyeu central Sparco. On va regarder ça comme ça. Voilà, avec avec les petites vis qu'on va mettre tout autour. Là. On a le capot. Enfin, ça c'est l'intérieur du capot. Je pense pas que ce soit l'extérieur. Alors des grilles qui vont sûrement ici, je pense. Enfin bref, on verra bien. Alors ça c'est le numéro combien, on sait pas. Non, c'est pas marqué là-dessus. Alors c'est ça qui est dommage, je trouve. Il devrait écrire à chaque fois c'est quoi comme numéro, parce que du coup on ne sait pas. Ah, un numéro assez lourd. Ah ben là par contre, alors on se retrouve avec les exemplaires un peu comme avant, enveloppés dans du plastique comme ça. Donc ça c'est le numéro 5. Alors il y a une pièce rouge, donc ça va être le moteur. Oui, je pense que c'est le moteur. On voit aussi ici la petite barre Skyline GTR. Bon bref, ça c'est le moteur et c'est vraiment assez lourd, donc c'est tout en métal. Et il nous reste un autre numéro. Parce que finalement, il y a trois numéros. Et en fait, eh ben, c'est le capot. Voilà. Alors, ce qui est un peu chiant, c'est que ça, ça va prendre de la place, ça aussi. Et c'est pas du tout attaché au pare-choc. Donc, va falloir stocker ça quelque part en attendant que ça soit monté entièrement. Et là, bien sûr, on a les trois livrés. Voilà, donc déjà, ben, ça va nous permettre de faire du montage pendant 3 semaines. Donc ça, c'est cool. Bon, ben voilà, j'avais hâte de monter tout ça, même si je pense que ça, ça va être un numéro assez rapide. On va prendre le capot et puis on va mettre les petits gicleurs, je pense, et puis c'est terminé, quoi. Bon, bref, on verra bien. Bon, ben, merci de m'avoir suivi pour cette petite vidéo rapide de l'ouverture du carton et on se retrouve très vite pour le montage du numéro 3. Merci de m'avoir suivi. Salut, salut.